et à quelques heures du verdict pour savoir si Mike Adéquilon et Mandy Castelnau seront reconnus coupables de tentatives de meurtre et d'assassinat, notamment sur des gendarmes, eh bien je peux vous dire que la tension monte ici aux assises de Basse-Terre entre les différents partis. L'audience a été interrompue au moins deux fois dans la matinée à propos d'un différend entre Maître Démocrite, l'avocat du principal accusé, et le président, entraînant des retards qui pourraient repousser la date du verdict à ce vendredi. Impossible pour l'instant de savoir si la cour et les jurés sont convaincus par la thèse de l'embuscade organisée par les deux accusés pour tuer gendarmes et passants, ou à l'inverse, si c'est l'innocence de Mike Adéquilon et Andy Castelnau qui ressort. En tout cas, pour l'un des automobilistes touchés le soir de l'incident, pour lesquels les deux accusés ont écopé de 10 ans de prison en première instance, eh bien, les deux hommes sont innocents. Ça m'étonne que quelqu'un puisse dire que c'était en fantaisie, que quelqu'un a monté un guet-apens et qu'il s'était exposé comme ça à des coups de feu. Et ce serait lui qui aurait préparé le guet-apens. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans cette enquête-là. Et moi, je suis sûr et j'affirme que le gars qui a tiré sur ma voiture, puisque les gars ont eu 10 ans de réclusion criminelle parce qu'ils ont tenté à ma vie, je sais que celui qui était là, c'était quelqu'un de ma morphologie, quelqu'un qui était même un peu plus taillé que moi, et que ce ne sont pas les jeunes qui sont dans le box, et c'est pas ça. Donc c'est clair que l'enquête a été bâclée et ils n'ont pas trouvé les vrais coupables. Et voilà un témoignage qui tend à prouver l'innocence des deux accusés dans cette affaire de coups de feu tirés sur des gendarmes à Sainte-Rose en 2013. Cependant, l'avocat de la partie civile nous disait tout à l'heure qu'il compte bien démontrer la thèse de l'embuscade et donc l'implication de Mike Adéquilon et Mandy Castelnau. Une thèse démontrée en s'appuyant notamment sur des témoignages et sur le reportage réalisé par une équipe de télé le soir de l'incident. Le procès Mickey Dangla continue avec un verdict attendu plus tôt pour vendredi.